Salut, bienvenue dans cette vidéo autour du Nord Piano 5. Je vais vous parler un petit peu de comment se structure le piano, son utilisation et les différents éléments qui le composent. Donc il est divisé en trois parties, comme beaucoup de normes, mais c'est Nord Piano 5, donc il y a la partie piano, une partie sample et synthé, et une partie plus dédiée aux effets. Donc tout d'abord, cette première partie piano, ici, qui est plutôt similaire à celle du Nord Piano 4, où on retrouve les sons qu'on connaît déjà, donc les sons de piano, vraiment, les uprights, plus les Rhodes. Puis une autre partie avec pareil des samples de vibraphone, de marimba. La particularité, c'est le Nord Piano 5, c'est la superposition ou la possibilité d'avoir deux layers dans le même endroit. Layer A par exemple, un son de piano. Et puis dans le layer B, par exemple, je peux aussi mettre également un son de piano. Avec le timbre ici qu'on peut modifier. On va avoir ce timbre, le soft, du coup, qui a un son vraiment plus doux. Sur le layer A par exemple, un son qui est plus bright, plus aigu. Alors je trouve ça plutôt utile parce que ça permet, là dans l'utilisation des deux layers, d'avoir un timbre plus doux, un timbre plus aigu, plus agressif. Par exemple pour pouvoir jongler entre les deux, entre un couplet ou un refrain, où on peut jouer doucement. L'intérêt aussi de ces deux layers, c'est qu'on peut les superposer et les jouer en même temps, donc pour mélanger deux timbres. Sur ce layer A, un piano. Ce layer B, un Rhodes. Et donc en appuyant comme ça, on peut mélanger les deux. Je peux aussi modifier indépendamment le volume de chaque élément. Je vais baisser le volume du Rhodes. Quand les layers sont superposés, on peut modifier les paramètres d'un layer ou les paramètres de l'autre layer. Donc tout simplement en appuyant sur le layer A si on veut le modifier, la LED A clignote. Et donc là je suis sur les paramètres du layer A. Je peux complètement baisser le volume, je peux changer le timbre, mettre le timbre brillant. Puis en appuyant sur le layer B, la LED clignote sur le layer B, je peux pareil modifier ce paramètre. Même changer de son. Par exemple un petit DX7. Et toujours par rapport à ces layers, on peut les superposer, alterner entre l'un et l'autre, ou aussi les utiliser à deux endroits différents sur le clavier, donc splitter. On peut, en appuyant ici, ça split le clavier, ça m'indique d'ailleurs qu'il est splitté ici. Je peux choisir par exemple de mettre sur le layer A, on va prendre un clavinet par exemple. En appuyant ici, je le mets à cette partie-là du clavier, donc low en bas. Je peux aussi modifier l'octave en appuyant sur ce bouton-là. Voilà. Sur le layer B, je vais mettre un Rhodes que je vais mettre donc en haut.
Tac, donc on active les deux layers. On a bien le clavinet en bas et le rod en haut. Et pour terminer sur cette partie piano, quand on a deux layers et qu'on a splitté le clavier en deux, on peut aussi rendre le split moins strict et créer un tuilage entre les deux timbres et les deux layers. C'est-à-dire que là, à gauche donc de cette LED-là, j'ai le son de piano. À droite de cette LED-là, le son de Rhodes. Et le X-Fade fait un tuile les deux sons. Cette partie synthé, qui est sensiblement conçue de la même manière que la partie piano, les timbres changent, il y a différentes catégories d'échantillons, il y a du mélotron, des samples de marimba, de vibraphone, des samples de synthé, il y a plein de sons différents. Moi j'ai choisi un son de brass, qui me plaisait bien. Ce son de brass là, on peut le modifier son timbre aussi, de la même manière qu'on peut modifier le timbre du piano. Donc là, c'est le timbre soft, bright. Ça permet de modifier vraiment très simplement le son et le timbre sans passer par les effets. Il y a vraiment possibilité de le faire comme ça. Ici, un petit module qui permet de modifier l'attaque, toutes les paramètres que vous pouvez retrouver dans la synthèse habituellement. Bon, par exemple, sur ce layer, donc on était sur le layer B avec le brass, sur le layer A par exemple, un son complètement monophonique. Voilà, un son tout simple qui est droit. Donc dans cette partie synthé, il y a la possibilité d'ajouter un vibrato. Il y a trois modes au vibrato. Donc le vibrato qui dès l'attaque du son. Un vibrato qui vient un peu après l'attaque du son. Et puis, le vibrato qui vient vraiment plus loin, plus longtemps après. On peut modifier donc ce paramètre, choisir quand arrive le vibrato, au début du son, à la fin du son. On peut aussi modifier son intensité et la vitesse du vibrato. Donc il y a ce bouton Shift qui est très utile sur tous les Nords. On appuie dessus et là on choisit. Donc on clique sur le vibrato et on a accès à ce panneau qui parle du rate ou du amount. Donc ça c'est la vitesse ou alors l'intensité. Toujours dans la personnalisation des sons, il y a cette fonction unison qui permet donc de détuner certains oscillateurs pour créer un espèce de chorus. Donc cette personnalisation de l'unison, on peut l'utiliser sur tous les timbres de la partie synthé sans que ça influe sur la polyphonie. Par exemple sur le son de brass. Donc comme sur la partie piano, on peut ici utiliser deux layers de manière simultanée, superposée. Là par exemple, je vais utiliser les layers de manière simultanée. Donc sur le layer A, je vais mettre un son de strings auquel je vais assigner la pédale de sustain pour pouvoir jouer le strings et les garder avec la pédale. Et sur un layer B, un son lead un peu flûte pour le coup auquel je désassigne la pédale de sustain.
Concernant la section effet, elle est construite, comme sur tous les Nords, sur un schéma qui ressemble à un assemblage de pédales de différentes natures. Dans cette première section-là, on a les trémolos, les panoramiques. Cette section-là, c'est plus flanger, les phasers, les chorus. Sur cette section-là, donc, on a un compresseur, un simulateur d'ampli qui fait de la disto ou pas, mais qui simule l'ampli. Cette section-là comporte plus un equalizer, dans lequel on peut modifier les paramètres. La section delay et la section reverb. Ce que je trouve très intéressant dans ces différents effets, c'est qu'on peut les assigner un peu dans le sens qu'on veut. Par exemple, sur un layer A, un Rhodes, sans rien, je peux donc y assigner layer A, une voix par exemple. Sur un layer B, ici je peux assigner un flanger par exemple. Quand je suis sur le layer B, l'effet associé au layer B, le flanger, n'est pas affecté par l'effet que j'ai assigné au layer A, donc la wah. Par rapport au routing des effets, on peut donc assigner chaque effet au layer A ou au layer B du piano, mais aussi au layer A et au layer B du synthé, ou quatre en même temps. Par exemple, là, j'ai une wah qui est assignée au layer A, un flanger assigné au layer B. Si je joue les deux ensemble, donc je superpose les deux layers, chaque effet reste sur son layer, mais joue ensemble. Donc dans la suite des effets, on a donc le delay, la partie delay. Donc là, je vais l'assigner par exemple au layer A sur le Rhodes. Donc c'est constitué il y a un tap tempo, il y a une fonction ping-pong qui fait que le delay est réparti sur les panoramiques. Et puis il y a trois modes d'effet, trois modes de delay plutôt. Donc un delay plutôt court, un delay plus long, et un delay vraiment très très long. Avec ce tap tempo du coup. La section reverb, qui est très proche de celle du Nord Piano 4, ils ont ajouté une fonction qui s'appelle la fonction chorale, que je trouve très jolie. Donc là, c'est juste une petite reverb stage. Avec le choral. Terminé, on a donc la section centrale qui est commune quand même à tous les Nords, qui permet donc d'enregistrer tous les réglages, tous les presets qu'on a fait. Moi ici par exemple j'ai fait un preset dans lequel j'ai splitté le clavier en deux, il y a un synthé à droite, un Rhodes à gauche, j'ai assigné un delay au synthé, j'ai assigné aussi cet effet vibe au Rhodes à gauche et un trémolo aussi au Rhodes à gauche. Donc tout ça, voilà, tout ça est paramétré et donc sauvegardé, quand on appuie ici deux fois, dans ce programme. Donc il y a 400 slots pour enregistrer tout ça. Dans ces pages, on a 5 programmes qu'on peut avoir ici en accès direct. Donc ça permet d'avoir les sons qu'on veut sous la main et de pouvoir changer rapidement. Donc moi en l'occurrence, j'en ai enregistré quelques-uns ici. Je vais vous faire écouter. Thank you.
puis donc j'ai ce preset 2 dans lequel j'ai mélangé un piano upright, donc un piano droit un peu je trouve un peu abîmé dans un sens avec les effets que je lui ai mis. Je lui ai mis un compresseur, un vibe aussi, donc qui le détune un petit peu. Et puis donc j'ai splitté à gauche, donc j'ai plus un mélotron. Des strings de mélotron qui sont mélangés au piano, parce que le piano prend tout le piano et le mélotron prend juste cette partie-là.